Donc c'est une émission de plus de nos émissions qui s'appelle En toute liberté. Et dans ces émissions, on essaye toujours de faire venir des gens dont on pense qu'ils ont quelque chose à dire qui est intéressant et peut-être inhabituel. Et avant de passer la parole à notre nouvel invité, que je suis très content d'avoir ici d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup entendu parler de vous et ça me fait plaisir de vous avoir. Merci de m'accueillir. Mais oui. Je voudrais rappeler, quand j'étais jeune, il y avait une publicité à la télévision qui s'est inquiétée. Et à quoi ça sert que Ducrot, il se décarcasse? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais oui. C'était pour vendre des herbes. Et donc, je dis à tous les gens ici qui nous regardent, à quoi ça sert que l'Institut des Libertés se décarcasse si vous ne vous inscrivez pas sur le site de l'Institut des Libertés? Parce que quand même, on fait tout ça pour vous et on aimerait bien que vous envoyez l'ascenseur. Mais je dois dire aussi qu'en l'espace de quelques semaines, on vient de passer de 40 000 à 60 000. Ou 65 000, et je suis très très content. Donc vous vous inscrivez, mais surtout ne relâchez pas votre effort. Bon, ceci étant dit, je reçois aujourd'hui donc Majid Oukacha, qui est d'origine algérienne, d'Oran. J'ai passé pas mal de temps quand j'étais gamin. Et qui a une caractéristique intéressante, c'est que il est d'origine musulmane d'Afrique du Nord, comme beaucoup de gens. Alors je suis né en France et j'ai grandi en France malgré tout. D'accord. Je dis ça parce que vos spectateurs, s'ils entendent dire je suis d'origine algérienne, spontanément ils se diraient que vous avez parfaitement raison de faire cette correction. Vous êtes donc tout à fait français étant né en France, et là vous portez un œil critique sur la religion musulmane appuyé sur des arguments qu'on entend assez peu. C'est-à-dire que la plupart des gens portent une espèce de critique sur la religion musulmane en disant elle est injuste parce qu'elle n'est pas morale, parce qu'on ne traite pas les hommes et les femmes pareils, ou les étrangers et les pas étrangers pareils et tout. Donc c'est une critique assez classique. Vous avez fait un effort intellectuel assez considérable pour porter une critique, dans le fond, sur l'imprécision du Coran. Le Coran est un truc imprécis. Et vous portez cette critique soit dans des livres, donc il était une fois l'islam, mais une fois il n'y a pas de S, donc c'est la foi au titre. Et vous êtes aussi un grand youtubeur, vous avez pas mal de... ça fait partie de... Donc je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la façon dont vous menez votre réflexion critique sur l'islam. Ce qui est déjà en soi d'ailleurs un élément curieux, parce que en principe, dans l'islam, on ne peut pas porter de critique sur le Coran. Oui, puisqu'en fait, la légende crue par les musulmans veut que 100% du contenu du Coran, de la première à la dernière phrase, a pour auteur Dieu lui-même, un Dieu qui se veut omnipotent, qui peut tout faire, omniscient, qui sait tout faire, qui est supérieurement intelligent. Et du coup, c'est vrai que ça n'aide pas les musulmans, effectivement, à avoir une distance critique par rapport au Coran. Moi, je suis un ex-musulman, j'ai quitté l'islam vers l'âge de 18-19 ans. En réalité, je ne l'ai pas quitté du jour au lendemain, ça a été des années, des mois de réflexion qui se sont de plus en plus accumulées et qui m'ont porté à quitter effectivement l'islam. Et quand j'ai quitté l'islam, en fait, je voulais m'en justifier auprès de mes proches. Et j'avais remarqué au début des années 2000, entre 2000 et 2010, que quand je m'intéressais à la littérature et à la production intellectuelle faite sur la critique de l'islam par la plupart des ex-musulmans, qu'il n'y avait que des critiques moralistes et manichéennes. En fait, essentiellement, c'était des critiques de fond qui consistaient à dire... des gens disaient qu'ils avaient quitté l'islam parce que l'islam est violent, parce que Allah promeut des lois violentes, des lois injustes, des lois inéquitables. Et en fait, moi, j'avais eu le flair et l'intuition de me dire que ces arguments-là ne fonctionnent pas auprès des musulmans, en fait. Des musulmans de base, ça ne fonctionne pas auprès d'eux. Si vous leur dites « Allah donne des droits aux hommes différents que, par rapport à ceux des femmes et que les hommes ont des droits sur les femmes et doivent les commander », la plupart des musulmans s'y accommoderont en se disant « Bon, bah, après tout, ils sont complémentaires physiologiquement, ils sont complémentaires dans des rôles sociaux, etc. » Et en fait, ça n'aide pas à convaincre les musulmans du fait que l'islam est faux. C'est-à-dire « Allah peut être... » immoral subjectivement, ça prouve pas qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il existe un dieu dans l'univers qui s'appelle Allah et qui a voulu que les musulmans sur Terre fassent des choses précisément, et c'est pas parce qu'il a une définition du bien et du mal qui diffère de la nôtre que nécessairement ça veut dire qu'il n'existe pas. Et moi, en fait, je m'étais dit, tiens, c'est curieux, moi, ce qui me saute aux yeux dans le Coran, ce qui m'a fait quitter l'islam, c'est pas tellement le fait d'être choqué par le contenu immoral, mais c'est le fait que ce Dieu, l'auteur du Coran, censé être supérieurement intelligent, en fait, a écrit des lois juridiques
qui promeuvent des qui nous incitent à des interdits et des obligations, des lois juridiques en fait qui sont imprécises, lacunaires et inapplicables. Je vous donne deux exemples qui sont deux grands classiques que les gens connaissent tant dans mon livre que dans ma chaîne YouTube. Par exemple, dans le Coran, il y a écrit sourate 5 verset 38, il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Et moi en fait ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Allah n'a pas précisé l'âge minimum du voleur pour lequel il faut couper la main du voleur et de la voleuse. Donc si je veux, je peux faire couper la main d'un gamin de 12 ans qui a volé. Il n'y a pas précisé le montant du larcin du voleur. Donc si je veux un voleur de 12 ans qui a volé une pomme, je peux lui couper la main, même si ça semble disproportionné. Il y a écrit dans le Coran également, sourate 24, verset 2, il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage et ne pas être pris de pitié dans l'exécution de la sentence, il faut faire les 100 coups de fouet. Et ben moi, au lieu de dire, vous avez vu, c'est barbare, Allah, il dit de fouetter celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, moi, ce qui me saute aux yeux d'abord, c'est, il ne précise pas la distance minimale ou maximale entre le fouettard et le fouetté, il ne précise pas les matériaux autorisés ou interdits pour le fouet, il ne précise pas les zones d'impact du corps autorisées ou interdit sur la personne à fouetter, si bien que ces lois déjà violentes et dangereuses, qui sont lacunaires et imprécises, leur imprécision les rend encore plus dangereuses. Si je donne ce fouet à un champion olympique du lancer de javelot, il lui faudra à peine 50 coups de fouet pour faire mourir la personne dans un bain de sang. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer aux musulmans, c'est de leur dire, j'essaie de vous convaincre que voilà, l'islam est une fumisterie et que votre Allah, soi-disant supérieurement intelligent, n'existe pas, parce que ces lois sont trop lacunaires, sont trop imprécises. Ça se sent dans la dialectique de l'auteur du Coran que c'est quelqu'un à l'esprit limité intellectuellement du 7e siècle qui l'a écrit. Ça n'est absolument pas un dieu supérieurement intelligent. Et du coup, mon livre, comme l'ensemble des vidéos de ma chaîne YouTube d'une manière générale, fait en sorte d'essayer de convaincre les gens, voilà, que l'auteur du Coran est un dieu beaucoup trop lacunaire et imprécis pour être le maître de l'univers. Et il y a tant d'autres arguments au-delà de ces deux arguments, voilà, que je vous sors, par lesquels j'essaie de convaincre effectivement, sans jamais prendre position de savoir est-ce que telle loi du Coran est bonne ou mauvaise subjectivement. Ça n'est pas mon sujet. Moi, j'essaie de prouver aux musulmans, avant de leur prouver que l'islam est mal, j'essaie de leur prouver que l'islam est lacunaire et imprécis, et c'est, voilà, c'est ça le leitmotiv de ma pensée. Et est-ce que vous avez des réactions très fortes contre cette façon de porter critique contre l'islam? Parce que il y a quelque chose d'évident dans la religion musulmane, c'est quand même en dire du mal, c'est plutôt pas bien vu, quoi. Vous risquez quelques ennuis, j'imagine. Bah, j'ai des menaces de mort sur moi, je crois être peut-être un des rares, en tout cas pour la France, voilà, le seul Français natif ex-musulman qui ose montrer son visage et qui critique l'islam de la façon dont je le fais. Effectivement, je reçois des menaces de mort pour ça. Effectivement, c'est un sujet tabou et dangereux et même explosif, voilà, de critiquer l'islam en France. Mais moi, ça me semble nécessaire. J'ai vite compris ça quand j'ai quitté l'islam il y a 15 ans maintenant. J'ai compris effectivement que ça allait devenir c'est pas juste un loisir intellectuel ce que je fais. Je sens l'islamisation de la France d'un point de vue sociétal, d'un point de vue culturel qui monte. Je sens que la désunion dans le peuple français vient aussi de la culture islamique. Il y a une expression que je dis souvent, c'est pour moi, l'homogénéité culturelle d'un pays, j'ai dit l'homogénéité, j'ai pas dit le fait que tout le monde ait la même culture, comme si on était des robots, on n'est pas dans une dictature, mais disons l'homogénéité culturelle d'un pays, pour moi, c'est un facteur de paix sociale supérieur à la croissance économique. Si demain on est capable d'avoir 6% de croissance économique, je m'en fiche, mais à partir du moment où on a une culture à l'intérieur de la France islamique et islamiste, puisque pour moi l'islamisme est islamique par essence, c'est le véritable islam. Je peux le prouver si jamais vous m'interrogez là-dessus, je pourrais vous en faire de la démonstration. Il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Pas du tout. L'islam est une religion politique par essence. L'islam, c'est pas juste Si l'islam, c'est chacun dans son coin a décidé que un mois par an, il veut pas manger et boire tant que le soleil lui dans le ciel, chez lui il veut prier, grand bien lui fasse. Mais dans le Coran, qui est censé avoir pour auteur Dieu lui-même, il y a des lois avec des interdits, des obligations qu'Allah demande d'exécuter sur les gens qui ne les appliquent pas par la communauté musulmane. À partir de là, c'est une religion éminemment politique. Dès l'instant où il y a des lois, et ces lois, je précise, elles sont intemporelles et elles n'ont pas de limite spatiale. C'est pour ça d'ailleurs, je vous donne un petit exemple pour illustrer la question. Regardez, par exemple, dans le Coran, il y a écrit sourate 2, verset 137, 173, 137, je ne sais plus du tout, il y a écrit
que 137. Il y a écrit que les musulmans n'ont pas le droit de manger de porc. Et en fait, c'était valable au 7e siècle. Cette loi n'a pas de limite ni temporelle, ni géographique, ni diplomatique. C'est pour ça qu'en 2020, 99,9% des musulmans de la planète ne mangent pas de porc. Le problème, c'est qu'il y a écrit aussi dans le Coran, sourate 9, verset 29-30, il y a écrit que les musulmans doivent combattre ceux qui ne croient pas en Allah, qui n'appliquent pas, qui ne propagent pas la religion islamique. Et cette autre loi n'a pas de limite, ni temporelle, ni géographique. Du coup, les musulmans de base, ceux qui ne sont pas des djihadistes, qui ne sont pas des islamistes, se contentent de ne pas manger de porc, tandis que le djihadiste islamiste, il obéit à la loi qui dit ne pas manger de porc parce qu'elle n'a pas de limite temporelle ni géographique, donc elle est encore valable pour lui en 2020, et il applique aussi l'autre loi que je vous ai citée, qui consiste à combattre les non-musulmans, parce qu'elle est également valable à notre époque. Et sourate 2, verset 85, Allah dit, dans le Coran, il dit « Ceux qui n'appliquent qu'une partie du livre, mais pas le reste, c'est des hypocrites, c'est de l'ignominie, ils méritent le pire des châtiments dans l'au-delà. » Le pire des châtiments, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le pire des châtiments, c'est quand même une menace assez, assez dissuasive. Du coup, je me dis, à un moment donné, il faut arrêter de nous dire les djihadistes, les terroristes, les islamistes ne sont pas des véritables musulmans. Déjà, ils se pensent musulmans eux-mêmes, et ils suivent la cohérence des ordres d'Allah. Allah dit, arrêtez de n'appliquer qu'une partie du livre et pas l'autre, vous êtes des hypocrites, appliquez tout le livre. Et à la fois, ils voient deux lois qui n'ont pas de limite temporelle ni géographique. La loi qui dit qu'il faut effectivement ne pas manger de porc, et la loi également qui dit qu'il faut combattre les mécréants. C'est-à-dire, si je vous comprends bien, donc un musulman qui vit en France, il a presque une obligation religieuse de se battre contre les mécréants qui sont au pouvoir en France. Chacun se donne la définition de l'islam qu'il veut, et je ne voudrais pas prêter à polémique avec un propos en disant qu'un musulman authentique, ça doit être un musulman qui doit appliquer 100% du Coran. Déjà, une de mes thèses, c'est que le Coran lui-même est difficilement applicable. Mais en tout cas, je dis juste simplement qu'un islamiste, un djihadiste, peut trouver dans le Coran absolument toutes les raisons d'être quelqu'un de violent envers les non-musulmans. J'en ai fait la démonstration tant dans mon livre que dans les vidéos de ma chaîne YouTube. Il a toutes les raisons dogmatiques scripturaires de pouvoir effectivement faire ce qui est le contraire des commentateurs politiques en France qui nous disent que le djihadisme, le terrorisme, c'est une dérive du véritable islam, ce n'est pas le véritable islam. Je m'excuse, mais moi, ce n'est pas la conclusion que j'ai. Moi, de ce que j'ai compris, c'est plutôt l'inverse. Est-ce que vous, je suis sûr que peut-être vous en avez entendu parler, mais il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelait Jacques Ellul. Jacques Ellul, il était professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, c'était un des très grands scientifiques. C'était un grand théologien, il était plutôt à gauche, membre du Conseil national de la résistance, etc. Et ses derniers écrits, ce sont des écrits sur la religion musulmane, justement. Il a beaucoup réfléchi sur la religion musulmane, il est mort, je crois, dans les années 90, et il a écrit ça à la fin des années 80, etc. Et ce qu'il disait, c'était exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ce qu'il y avait de très embêtant dans l'islam, c'est cette possibilité pour les violents de trouver une justification à leur violence. C'est exactement ce que vous avez dit. Donc il a écrit, c'est le dernier livre qu'il a écrit, qu'on a trouvé dans le tiroir de sa table de nuit, une fois qu'il était mort, c'était justement une réflexion sur l'islam. Et ça pourra, vous pourrez peut-être le citer de temps en temps, mais Jacques Ellul, c'était quand même, si vous voulez, un esprit de la taille de Raymond Aron, de Revel, de tous ces gars-là qui ont été il a été traduit, il y a des universités américaines qui ont des cycles d'études sur Ellul, etc. C'est un très très grand esprit. Il avait réfléchi là-dessus, il était théologien. Mais le problème de l'islam, c'est que c'est le totalitarisme le plus abouti et le plus difficile à combattre. D'abord parce que dans les textes de la Sunna, au-delà du Coran, il est probu le fait que combattre pour l'islam et mourir pour la diffusion de l'islam, mourir face aux mécréants, ça vous envoie au paradis directement, ce qui fait que vous avez un ennemi en face de vous qui n'a pas peur de mourir. Contrairement à une guerre classique, Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale par exemple, où à un moment donné, certains soldats, ce qu'ils veulent, c'est revenir en vie chez eux, parce qu'ils aiment leur famille, et disons qu'ils peuvent être un peu plus dissuadés face à plus fort qu'eux, tandis qu'un soldat
djihadiste, lui, il voit plus fort que lui, et ben il va quand même essayer de faire une attaque et il peut quand même prendre le risque de mourir. Et pour faire un parallèle, j'aime pas faire de la réduction à Hitler Rome, mais si vous voulez, à un moment donné, quand par exemple vous avez des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, ils voient que Hitler est en train de perdre, ils apprennent qu'Hitler s'est suicidé, et ben ils peuvent retourner leur veste contre leur totalitarisme et ils peuvent finalement changer de camp et cesser de combattre pour ce totalitarisme. Le problème, c'est qu'Allah en fait ne peut pas perdre, puisqu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, s'il est absent, s'il est intangible dans le monde, du coup, les musulmans djihadistes ou terroristes qui combattent au nom de l'islam, en fait, ils n'auront jamais effectivement cette... Ils seront jamais traversés par cette pensée de se dire « à un moment donné, je suis dans le camp des perdants. Si leur Dieu est intangible, eh ben, il ne perd jamais. » Et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait qu'ils ont du mal, la plupart des musulmans, tout confondu, peu importe qu'ils soient islamistes ou pas, peu importe, à cesser de croire en Allah. Moi, je compare souvent Allah au Père Noël. Ça va vous paraître bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Les enfants, d'une manière générale, dans le monde occidental, on leur apprend, disons, à croire au Père Noël. Bon, de moins en moins à notre époque, mais on leur apprend à croire au Père Noël. À un moment donné, pourquoi les enfants cessent de croire au Père Noël vers l'âge de 5-10 ans? Parce que déjà, ils entendent des rumeurs comme quoi le Père Noël n'existe pas. Il y a quelques gamins de leur école qui leur disent que le Père Noël n'existe pas, ils entendent également ça de la part des adultes. Et en fait, vu que la légende veut que le Père Noël ait un impact terrestre, tangible, au moins un jour par an, ça s'appelle la veille de Noël et le jour de Noël, eh bien, ils peuvent commencer à se poser des questions. Ils se disent « Attends, c'est pas normal, je crois au Père Noël depuis tout petit. Le Père Noël est censé apporter les cadeaux par la cheminée. Je vis en HLM et à chaque fois, les cadeaux, ils arrivent dans ma maison. Comment ça se fait ? On m'a dit que les lutins du Père Noël, ils fabriquent les cadeaux au pôle Nord. Or, quand j'ai déballé mes cadeaux, sur les boîtes de cadeaux, il y a écrit « Made in China ». C'est un peu bizarre, ça. Attendez, je comprends pas. Le Père Noël, il emballe les cadeaux dans du papier cadeau. C'est exactement le papier cadeau du meuble à fourniture de mes parents. Le Père Noël, comme par hasard, il a le même papier cadeau vert, avec un sapin Noël, un flocon, un sapin Noël, un flocon. C'est bizarre, quand même. À un moment donné, le gamin, il se dit... j'ai des éléments à contester. Le gamin, il se dit, attendez, je suis passé à Carrefour avec ma mère la veille de Noël, j'ai vu le Père Noël, c'était un rouquin qui agitait une cloche avec des yeux bleus. Quand on s'est éloigné en bagnole à 2 km de là, devant Carrefour, c'était un autre Père Noël, il était antillais à un moment donné. Donc le gamin, il a quelque chose à contester dans le réel de tangible, et à partir de là, il peut commencer à se dire, bon, bah, le Père Noël, c'est peut-être une légende. Et on en revient à ma réflexion tout à l'heure. Allah est censé être partout et nulle part à la fois, il n'est ni visible, ni audible, ni... Donc du coup, les enfants musulmans qui depuis tout petit à qui on a dit qu'il fallait être musulman et croire en l'islam, sinon on leur fait un chantage apocalyptique à l'enfer, donc déjà ils ont une relation de peur face à l'islam, ils n'ont pas cette possibilité de créer ce rapport critique au réel et à contester quelque chose du réel. C'est ce qui fait que c'est encore plus difficile pour eux, vous voyez, de cesser de croire en leur Père Noël islamique, si je puis dire. Donc voilà. Quelque part, ils vivent dans un mythe et n'en réussissent pas à sortir. Voilà, parce qu'ils n'ont rien à contester de réel. Pour contester un mythe, souvent, c'est pour ça, par exemple, du vivant d'un gourou, c'est facile de le contester. Si vous avez un gourou demain en France qui vous dit « je suis élu de Dieu » et puis que sous vos yeux, il se fait tuer ou il se fait écrabouiller, à un moment donné, vous vous dites « bah d'accord, t'es l'élu de Dieu, mais apparemment Dieu il a voulu que Jean-Jacques Mouillot, vendeur de radis à Vesoul, il t'ait mis un coup de batte de baseball derrière la tête et t'es mort. » Donc vous voyez, il y a quelque chose à contester. Par contre, à notre époque où le prophète Mohammed est mort il y a bien longtemps, où Allah n'existe plus, c'est encore plus difficile pour un musulman de base d'avoir la possibilité de contester quelque chose de matériel du vivant, soit du porteur du message humain, soit du Dieu en lui-même. Alors, quand on vous écoute, on comprend bien les idées que vous exprimez, sauf qu'on vit dans un pays qui s'appelle la France, on est en 2021, et que ces idées sont malheureusement extrêmement minoritaires. Alors, comment, dans votre esprit, on fait pour d'abord naviguer entre tout un ensemble de mots très, très difficiles à interpréter? C'est, vous en avez dit un mot, islam versus islamisme, il y a celui de laïcité, il y a celui de la représentation des musulmans en France, il y a celui des lieux de culte, il y a le problème des imams qui sont autorisés par qui, comment, etc. Donc dans votre esprit, vous voyez ce combat se perpétuer éternellement, ou vous voyez une petite lumière au bout du tunnel?
Moi, mon leitmotiv, c'est d'essayer d'expliquer aux musulmans que celui qui est à même de définir ce qu'est le véritable islam ou pas le véritable islam, ce qui est le paradigme dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est tout simplement de revenir à la source, c'est le Coran. Quoi que disent des imams, quoi que dit Moustafix le Sarrasin, quoi que dit tel islamologue, on s'en fiche. On a le Coran, et par chance, la légende veut que de la première à la dernière phrase, ce soit Dieu lui-même qui parle dedans. Donc c'est une source qui est très claire. Moi, j'essaie vraiment d'expliquer aux gens, au-delà effectivement de notre époque de subversion du langage, où on essaie de nous faire dire absolument tout et son contraire, l'islamisme, c'est pas l'islam, on essaie de nous dire que des représentations humaines doivent définir ce qu'est l'islam, que l'islam peut être amené à évoluer, etc. Au-delà de ça, moi j'essaie vraiment de ramener tout le monde vers la simplicité analytique qui veut que ce qui a à même de définir ce qu'est l'islam ou non, c'est le Coran avant tout. Quand j'ai réussi à convaincre des gens de ça, à partir de là, et qu'ils se rendent compte effectivement que le message du Coran est un message misogyne, est un message violent envers la liberté de conscience, est un message liberticide, à partir de là, c'est plus facile de convaincre des gens. D'ailleurs, d'une manière générale, par exemple, j'ai remarqué que je reçois beaucoup de messages de gens, par exemple, qui me disent qu'avant, ils étaient d'extrême gauche ou ils se définissaient eux-mêmes comme des gauchistes. Et en fait, ils avaient du mal souvent. Avant, ils avaient une vision très idéologique butée. Et par exemple, ils étaient contre les frontières. Alors, ils étaient contre les frontières nationales. Par contre, quand ils sortent de chez eux le matin, vous inquiétez pas qu'ils ferment bien à double tour. Hein, parce qu'ils ne croient pas en les frontières à l'extérieur, mais ils arrivent à se faire cette réflexion à échelle individuelle. Et ils me disaient qu'ils étaient contre les frontières, ils étaient contre l'idée de patriotisme, ils étaient contre l'idée qu'il pouvait y avoir en France une culture dominante, voilà, qui parce qu'aujourd'hui en fait en France on est dans l'ère du multiculturalisme où on dirait que toutes les cultures se valent, que plusieurs cultures ça enrichit la France. Non, c'est faux. Moi j'estime que le multiculturalisme avec l'islam en France, au contraire, vous apportez une culture qui est misogyne, une culture qui développe l'antisémitisme, une culture violente. Vous plaignez pas derrière si il y a de la violence envers les femmes, ou envers les juifs, ou envers les non-musulmans, qui ensuite se développent en France. C'est le béaba, voilà. Donc moi, ce que j'essaie de faire un travail intellectuel avec des vidéos d'analyse de texte, et également aussi des fois des sketchs pour divertir les gens, mais toujours dans un but informatif. J'essaie vraiment de convaincre les gens que la définition du véritable islam se cache dans la parole d'Allah, dans le Coran, et une fois que je les ai convaincus de ça, et après que je les ai convaincus de la dangerosité immuable de l'islam à l'intérieur du Coran, et ben eux font le reste de la réflexion. Oui, mais l'islam fait bien évidemment partie des religions monothéistes, et qui, elles, ont eu aussi un texte d'origine ou révélée, etc., dans lequel il y avait bien évidemment des moments de violence, mais l'interprétation a fait que on n'oblige personne à respecter à la lettre ni la Torah, ni la Bible, mais qu'on est dans le monde d'aujourd'hui. Oui, mais comment on fait quand on a un système comme l'islam où il n'y a pas de système de représentation, puisque n'importe qui peut s'auto-proclamer imam et commencer à faire des sermons dans un garage. Comment on sort de tout ça? Justement, c'est ça le véritable problème. Pourquoi on a un problème spécifique avec l'islam, pas qu'en France, dans le monde entier, plus que toute autre religion? Justement parce que la légende veut que ce soit Dieu lui-même qui ait parlé dans le Coran. Donc à partir du moment où ils lisent un texte où il y a écrit verset 34 sourate 4 que l'homme commande sa femme, que le mari musulman a le droit de frapper sa femme si jamais elle lui désobéit, ils peuvent pas avoir de distance critique par rapport à ça ou dire qu'ils ont pas respecté ça parce que c'est Dieu lui-même qui a parlé. C'est pour ça que les pays dans le monde aujourd'hui, il y a des classements internationaux là-dessus, les plus misogynes dans le monde, ce sont des pays musulmans. Et c'est pour ça que l'islam est irréformable. Quant à ce dont vous parliez, l'interprétation, c'est très intéressant, interprétation, contexte, ce genre de balise référentielle, c'est toujours quand ça arrange certains. Par exemple, quand il y a écrit « faut pas manger de porc », les musulmans, ils comprennent à l'arrivée le sens « toi, pas manger de porc ». C'est bizarre parce que cet ordre veut juste dire « tu dois t'abstenir de manger d'un animal ». Quand il y a écrit dans le Coran « il n'y a qu'un seul Dieu », ils comprennent à l'arrivée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils interprètent à l'arrivée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas zéro, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plus que deux. Voilà. Mais bizarrement, quand il y a écrit qu'il faut combattre les non-musulmans, tout à coup, il y a interprétation. Voilà. Quand il y a écrit qu'il faut frapper son épouse désobéissante, tout à coup, il y a interprétation. Il y a interprétation quand ça les arrange, à un moment donné. Et cette interprétation est faite plutôt par des non-musulmans. C'est-à-dire, c'est souvent ceux qui cherchent à excuser
l'islam qui trouve que ben ça, les musulmans ne respectent pas ça, ça va sans dire, ils n'y croient pas. Et aussi des islamistes qui font de la taqiya et dont le but c'est de faire croire que l'islam est une religion pacifique en France parce que ça fait partie de leur stratégie de dissimuler la véritable nature de l'islam. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que la taqiya c'est le mensonge que permet Mahomet, que permet Dieu pour enfumer les non-musulmans. La taqiya, c'est ça. Voilà, si jamais l'islam est en position de faiblesse. Moi, le paradigme de l'interprétation, je dis juste comme par hasard, c'est à chaque fois qu'il y a des éléments qui sont gênants ou qui sont à même de prouver que l'islam est un danger pour la France, que tout à coup il y a interprétation. Je trouve ça trop facile. On en revient aux exemples que je vous donnais tout à l'heure. Sourate 2, verset 173 et pas 137, je m'excuse, tout à l'heure j'ai dit 137. Il y a écrit « il faut pas manger de porc ». Il n'y a pas de limite ni temporelle, ni géographique, ni diplomatique. Ils estiment que c'est encore valable en 2020. Sourate 9, verset 29-30, il y a écrit qu'il faut combattre ceux qui n'appliquent pas l'islam, ceux qui ne propagent pas l'islam. Il y a tout autant, ni de limite temporelle, ni de limite géographique. Donc, à un moment donné, l'islamiste djihadiste qui veut prendre les armes, il se dit « j'applique les deux ou j'applique aucune des deux ». Il essaie d'avoir cette cohérence-là, encore une fois. Et moi, c'est vraiment, j'essaie de mettre les musulmans face à ce schéma. Et donc, votre démarche, pour répondre un petit peu à la question de Jean-Jacques, c'est de dire, dans le fond, il faut convaincre les gens un par un. C'est vous essayez le chemin que vous avez fait, suivez-vous, qui était un chemin de réflexion. Oui, c'est une réflexion individuelle, voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'à un moment ou un autre, les musulmans réussissent à sortir d'eux-mêmes, en quelque sorte, et de leur croyance, de leur Père Noël, comme vous disiez. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je dis toujours aux musulmans, mon but, c'est pas. Mon but, c'est. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'essaie de les convaincre avec mon regard critique, avec mon analyse originale. J'essaie de les convaincre qu'effectivement, l'islam est une religion caduque, fausse, inapplicable. Et en tout cas, ce que j'essaie de leur dire, c'est ayez une attitude cohérente jusqu'au bout. Moi, quand j'étais adolescent, j'avais l'habitude de fréquenter la mosquée. J'étais vraiment celui qui levait la main, qui posait les questions, vraiment qui agaçait l'imam, et il me l'a déjà dit après les cours, il me disait arrête avec tes questions parce que du coup tu mets dans la tête d'autres gens le doute. Oui, parce qu'en plus moi je suis né dans une double culture pour le coup occidentale et islamique en France, et j'ai pu expérimenter rapidement le fait que ce sont deux cultures inconciliables. Dans l'islam par exemple, c'est mal vu de douter, c'est bien vu, en fait la criminalisation du doute, je ne l'ai jamais compris, c'est bien vu de croire aveuglément, tandis que la culture occidentale cartésienne consiste plutôt à être prudent, à la méfiance, etc. Et moi, étant jeune, j'expérimentais de plus en plus de choses étranges, et il m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des réflexions avec des amis ados musulmans qui me disaient, par exemple, si tel texte de biographique de Mohammed dans un hadith, si il dit quelque chose de suspect ou qui te plaît pas, eh ben ce texte, il est sûrement faux. Il est sûrement mal transmis, il est sûrement mal compris. Je leur dis, mais c'est trop facile. Donc en fait, toi, si ça te plaît pas, forcément, tu te dis, c'est faux. Non, et pourquoi le prophète Mohammed aurait pas diffusé des messages dans la sunna, le prophète Mohammed, dans les hadiths, il dit par exemple, celui qui quitte la religion de l'islam, tuez-le, si ça ressemble pas à une secte. Je suis désolé, même moi, quand j'étais adolescent, je me disais, par exemple, je voyais des musulmans autour de moi qui parlaient à des Français de souche catholique, athée, peu importe, à l'école, ils leur parlaient de l'islam pour essayer de les convaincre. Même moi, quand j'étais musulman adolescent, j'avais conscience du fait que présenter la religion islamique à des non-musulmans, ça ressemblait à présenter une secte. Je dois leur présenter un prophète qui devait être le chef politique non élu démocratiquement et chef politique à vie des musulmans, il devait lui obéir. Il avait un harem jusqu'à une dizaine d'épouses. Il avait droit de piocher dans les butins de guerre. Excusez-moi, un pouvoir politique, femme, argent, c'est pas le triptyque du sage prophète désintéressé. Il est mort empoisonné, je suis désolé, soi-disant c'est le sceau, pas S-O-T, même si, bref, c'est le dernier des prophètes divins. Et Dieu l'aurait laissé mourir empoisonné par une cuisinière qui a empoisonné un de ses plats. Je m'excuse, mais quand on fait le portrait du prophète Mohammed, c'est peut-être pas la religion la plus convaincante à présenter comme une religion désintéressée, quoi. C'est pas ce qu'ils appellent la belle vie. Bah moi, en tout cas, je pense que non. Je vais vous dire, même quand j'étais adolescent et musulman, je partais en vacances en Algérie l'été. Et en fait, je savais ce que ça voulait dire d'aller arriver dans une société majoritairement musulmane. Et en fait, je me disais, pourtant j'étais musulman à cette époque, et je me disais,
j'espère que la France ne deviendra jamais majoritairement musulmane. Je ne me sens pas à l'aise dans une société majoritairement musulmane. C'est curieux pourtant qu'un musulman se dise ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas quitté l'islam du jour au lendemain. C'est tout un ensemble de réflexions durant toute ma jeunesse qui petit à petit m'ont amené, à un moment ou à un autre, j'aurais quitté l'islam, voilà. Mais aujourd'hui... Et est-ce que vous avez des contacts avec des gens qui auraient suivi un parcours un peu semblable au vôtre? Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce qu'ils vous... Je reçois régulièrement des messages d'ex-musulmans, beaucoup d'ailleurs qui commencent leur message par « Au début, je te détestais. Au début, je t'insultais. Je m'excuse. À force d'avoir vu tes vidéos, à force, tu m'as convaincu. À force, je me suis remis en question. À force, j'ai eu un regard critique sur le Coran. À force, tu m'as aidé à y voir plus clair. » Et ils m'ont dit, voilà, qu'ils s'excusaient effectivement. Et j'en reçois tellement que je n'arrive même pas à les compter. Donc, à la mesure de mes moyens, à la modestie de mes moyens, via ma chaîne YouTube et mon livre, mais ma chaîne YouTube, voilà, j'ai réussi effectivement. Le travail que je m'étais promis de faire, c'était d'essayer d'influencer les autres, ah, voilà, avec une méthodologie originale. Encore une fois, les gens disent que j'ai des tics de langage. Je dis toujours, c'est très intéressant. Ça fait partie de mes tics de langage. Donc, je m'excuse, mais c'est parce que je le pense. Je pense que ce que vous dites est très intéressant. Et donc, c'est une façon peut-être. Est-ce que vous avez reçu de l'aide des pouvoirs publics français dans votre effort? Non, mais en même temps, vu qu'il nous dirige, je m'attendais pas à autre chose. Mais en tout cas, voilà, il m'est déjà arrivé de porter plainte par rapport aux menaces de mort que j'ai reçues. Ça aboutit à rien, je m'en fiche. Mais en tout cas, moi, je fais ma démarche de mon côté. J'arrive à fédérer des gens autour de moi. J'arrive à convaincre, j'arrive à porter la bonne parole. Encore une fois, à la modestie, à la mesure de mes moyens. Vous savez que porter la bonne parole, c'est la bonne parole de... C'est un terme chrétien. Oui, bon, je peux reprendre ce slogan, comme je peux reprendre des slogans du genre... Mais c'est pas gênant. On juge un arbre à ses fruits, etc. Peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, à la mesure de mes moyens, j'ai fait en sorte d'essayer de convaincre des gens. Je suis arrivé un jour sur YouTube il y a 5 ans, j'avais quelques centaines d'abonnés, ça a pris du temps, ensuite 1000, ensuite 10 000, ensuite 50 000, aujourd'hui 82 000. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Hein. Il faut que vous abonniez tous. Voilà, abonnez-vous et activez la cloche pour lui comme pour ma chaîne Magie du Kacha. En plus, il fait de la pub sur la chaîne d'un autre. Le gouvernement ne vous invite pas. Il y a une chaîne sur la radio dite nationale qui s'appelle Question d'Islam le dimanche matin, menée par Khaled Benchek. Est-ce qu'il vous a invité une fois? Non, mais c'est un musulman, donc je m'y attends pas. Et limite, je serais presque vexé si on m'invitait, parce que ça voudrait dire que quelque part, mes analyses vont dans le sens de tout ce système politico-médiatique qui ne lutte absolument pas contre l'islamisation de la France. Je veux juste faire un commentaire. Je suis pas musulman, mais je m'intéresse à l'islam comme quelqu'un ouvert à beaucoup de sujets. Et donc, j'écoute régulièrement cette émission. C'est la seule menée par un musulman qui ne prêche pas tout ce que vous venez de reprocher à juste titre au Coran et à l'islam, et qui fait un petit quelque chose pour réconcilier ce qu'est l'islam d'aujourd'hui avec la France. Point d'interrogation. Je dis ça avec beaucoup de modestie. Et donc, moi, je trouve que c'est une émission intéressante. C'est sans doute une démarche très intéressante, ce qui fait, je ne sais pas, je ne connais pas son émission, mais en tout cas, si la finalité de ce qu'il fait, c'est d'essayer de présenter aux gens l'idée que l'islamisme n'aurait rien à voir avec un véritable islam originel des voyets qui serait soi-disant positif, égalitaire et libertaire, au final, il sert quelque part un petit peu l'islam, puisqu'il aide à en diffuser une image positive qui fait que les gens ne s'en méfieraient pas. Or, mon but avoué, et je le dis sans honte, pour moi, c'est d'alerter et de mobiliser les gens, déjà du point de vue intellectuel au minimum, face à la menace de l'islamisation de la France. Je vois pas pourquoi l'islam ferait en France ce qu'il n'a jamais su produire ailleurs. L'islam produit de la misogynie et du conflit interreligieux partout dans le monde. Si demain ça devenait la culture dominante majoritaire en France, surtout dans notre démocratie libérale dans laquelle nous sommes et que je respecte, hein, bien évidemment, où c'est la majorité qui décide, eh ben je vois pas pourquoi l'islam ne produirait pas ici, demain, si jamais il devenait majoritaire démographiquement, ce qu'il a toujours produit partout ailleurs. Donc moi, mon travail dans cette agora politico-médiatique, à la mesure de mes moyens toujours, c'est d'essayer de convaincre les gens dans une démarche sans doute parallèle et différente de celle du protagoniste que vous avez cité, et ben voilà, de convaincre les gens que le véritable islam idéologiquement est une religion immuable qui est violente
qui est misogyne. Encore une fois, je ne sais pas si M. Benchekh a eu l'occasion de s'exprimer clairement en disant, par exemple, est-ce que les terroristes djihadistes appliquent les lois du Coran ou non. Peut-être que c'est des questions auxquelles il devrait répondre, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que voilà, je ne m'inscris pas dans une démarche qui vise à séparer la motivation islamiste, c'est-à-dire un islam au moins politique et violent de l'idéologie coranique qu'on appelle l'islam, avec un petit i ou avec un grand i. Et moi, mon but, c'est de dire que tout ça n'est pas fait par hasard, et toute la violence qu'on a dans le monde musulman, toute la misogynie qu'on a dans le monde musulman, elle prend sa source dans les textes islamiques. Alors, logiquement, si la vie dans les pays d'islam est misérable, ou assez peu intéressante, etc., la jeunesse doit se détacher de ce, surtout dans le monde moderne où ils voient ce qui se passe ailleurs, etc. Et vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure qui m'intéressait, c'est que vous avez dit que dans le fond, les pays musulmans, les jeunes ont tendance à s'éloigner de la religion musulmane et que, au contraire, les jeunes chez nous s'islamisent à toute allure. Donc, d'où vient cette espèce d'extraordinaire contradiction? Pourquoi les jeunes, ceux qui sont des jeunes français nés en France, ayant été dans l'école laïque, etc., pourquoi se tournent-ils vers la religion musulmane alors que les musulmans, apparemment, là-bas, dans leur pays d'origine, ils ont plutôt tendance à partir dans l'autre sens? Qu'est-ce qui amène à ça? Alors en fait, avant la démocratisation d'Internet à travers le monde, essentiellement, c'était les télévisions et radios d'État autorisées dans les différents pays qui étaient à même de pouvoir faire en sorte que le peuple puisse avoir que des gens dans le peuple puissent avoir un écho et un avis à toute la population. La population ne se parlait pas directement. Et dans les pays musulmans, à partir des années 80, 90, puis ensuite avec la télévision, ils ont pu voir les modes de vie occidentaux à la télé, puis ensuite grâce à Internet, ils ont pu se rendre compte de plus en plus que les jeunes du monde entier avaient droit à des loisirs, avaient droit à des libertés auxquelles eux n'ont pas droit. C'est pour ça que les jeunes des pays musulmans, d'une manière générale, majoritairement, ils veulent fuir leur pays musulman pour partir, comme par hasard, dans le monde des mécréants. Et en parallèle, en France, je pense que c'est la gauche politique qui a beaucoup aidé indirectement à faire en sorte que l'islam se développe en France, parce que moi, quand j'étais jeune, je me rappelle en fait que la majorité des jeunes d'origine maghrébine comme moi détestaient la France. Ils prétendaient niquer la France, on regardait des matchs de l'équipe de France, ils étaient en train de huer la France systématiquement. Ils détestaient la France, pourtant ils avaient envie d'y vivre, ou en tout cas ils y vivaient, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, la gauche qui a appris à ces jeunes à détester la France comme pays qui a colonisé le pays de leurs ancêtres, à être fiers de leur culture d'origine et à avoir honte de la culture française, à détester les blancs qui seraient de vilains racistes contre eux, les métèques, noirs ou arabes, peu importe. Déjà, ça donne à ces jeunes une charpente morale qui, de base, fait qu'ils détestent le pays d'accueil de leurs parents ou sans doute d'eux-mêmes, et du coup, ils ne se tournent pas vers la culture française comme une référence à laquelle il faut s'assimiler. Du coup, ça les aide plus facilement à se tourner vers la religion de leurs ancêtres et la religion islamique. À côté de ça, les politiciens en général, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, ont fait venir énormément d'imams du monde musulman en France. Même moi, j'ai eu des imams du monde musulman dans les mosquées que j'ai fréquentées étant jeune. Ces imams-là ont pu ici développer le flicage communautaire entre musulmans, le fait d'inciter les gens à porter des voiles, à manger de la viande halal, etc. Et du coup, de plus en plus, on a des générations de musulmans en France où, par exemple, les jeunes femmes musulmanes d'aujourd'hui portent un voile parfois plus que leur mère, qui elles-mêmes le portaient plus que leur grand-mère. Donc ici, à contre-courant, eh ben on a une islamisation effectivement qui progresse à la fois dans la détestation de la France, et également le fait qu'on a eu des irresponsables qui ont fait venir des imams du tiers-monde, du monde musulman, avec leurs mœurs,
et qu'ils ont pu les diffuser ici. En plus, on est aussi dans un pays de démocratie libérale où on a aussi une culture de la subversion de tout. On a l'impression que la soumission, c'est la liberté, c'est la soumission. Le héros est devenu un bourreau, le bourreau est devenu une victime, la victime est devenue un héros. Voilà, on a des paradigmes tellement inversés, tellement bouleversés. Et ben voilà, c'est tout ce terreau qui favorise le fait que l'islam progresse de plus en plus. On a de plus en plus de générations de jeunes musulmans qui sont des donneurs de leçons et qui sont de plus en plus croyants, de plus en plus pratiquants. Et en parallèle, un monde musulman, effectivement, où l'athéisme progresse, effectivement, même si ça ne progresse pas tant que ça, parce que malgré tout, c'est des pays musulmans qui répriment quiconque n'est plus musulman, donc c'est pas facile, c'est souvent caché et officieux. Donc, ce que vous dites, c'est que dans le fond, la religion musulmane progresse en France presque par détestation de la France. C'est avant tout, c'est parce que l'islam est un totalitarisme très abouti et très efficace, mais en tout cas, c'est un des éléments parmi tant d'autres qui a pu aider. Et même si rien de tout ça n'avait aidé, une fois qu'on a la démocratisation d'Internet, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'imams de toute façon sur place, ils peuvent voir l'imam directement à travers Internet. Donc de toute façon, voilà, mais c'est un facteur de plus qui fait qu'effectivement, aujourd'hui... Évolution. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, dans le monde musulman français? Parce qu'il y a des tas de questions qui se posent. Vous savez, on dit, bon, il y a le... Est-ce que ça va aller de pire en pire ou est-ce que ça va aller de mieux en mieux? Voilà. Eh bien, moi, c'est très curieux, en fait. J'ai deux analyses totalement contradictoires. Ben, c'est bon, vous savez, se contredire et changer d'avis, c'est des droits constitutionnels. Enfin, c'est de la prospective contradictoire. J'ai l'impression à la fois qu'on vit dans une époque où... En fait, j'ai l'impression que, si vous voulez, on vit dans une époque où, par exemple, de plus en plus, les gens ont des libertés individuelles, deviennent un minimum égoïstes et individualistes, et quelque part, ça aide à s'éloigner de la religion. Le fait d'être tourné vers les loisirs, le fait de penser à soi-même. Et j'imagine même une France du futur et un monde occidental du futur, où les machines travailleraient pour nous, pour des récoltes, pour nous fournir de la nourriture, les gens n'auraient plus besoin de travailler à l'avenir, trop de robots travailleraient, il n'y aurait que quelques emplois réservés aux humains. Et à ce moment-là, si vous êtes un humain sur Terre et que vous avez un petit appartement, un petit studio où vivre, et que votre nourriture vous est apportée chaque jour, vous n'avez même plus besoin de travailler, à un moment donné, comment pouvez-vous tourner vers Dieu? Vous allez le prier pourquoi? Si la médecine a été tellement développée que tout le monde peut vivre 150 ans et on peut soigner très facilement les gens grâce à des pilules miracles ou grâce au transhumanisme ou plein d'autres choses sur lesquelles, ni je dis que c'est bien, ni je dis que c'est pas bien encore une fois, mais j'essaie d'anticiper. Et à la fois en plus des robots nous apportent notre nourriture, à un moment donné, ça va être difficile pour les imams de dire tourne-toi vers Allah pour qu'il t'aide. Il t'aide de quoi? Tout nous est apporté, tout cuit dans le bec par les machines, tant notre médecine, notre santé que notre nourriture. Le fait qu'encore aujourd'hui des gens soient actifs et doivent travailler, ça fait qu'ils peuvent encore prier Allah en disant « S'il te plaît Allah, garde-moi encore mon emploi, mais quand demain on pourra tous être nourris sans problème, avec une pilule par jour, dans un futur sans doute horrible, froid et aseptisé, avec des machines partout, j'en sais rien du tout. » Voilà, mais en tout cas ça me fait me dire... Et aussi avec le développement de la réalité virtuelle, où les gens vont peut-être être hors sol, et aussi encore plus d'individualisme, où les gens vont être encore plus dans le divertissement, dans ce qu'on veut, ça peut faire totalement reculer la plupart des religions, et aussi le fait de coloniser notre planète. Je veux dire, si demain des humains vont sur Mars, il ne va pas y avoir une astromèque là-bas, il n'y a pas d'astro-cochon qu'il ne faut pas manger. À un moment donné, ça va être difficile de dire à un humain de Mars, tu vas prier la Mecque, ah oui, la Mecque elle est au-dessus de toi, donc s'il te plaît, mets-toi parallèle au mur quand tu pries, en direction de la Mecque. Vous voyez, donc à la fois, je vois cette espèce de futur, peut-être pas dystopique, j'en sais rien, mais où la religion pourrait reculer, et à la fois, je vois, selon moi aussi, le fait que l'islam progresse dans notre société, qui est de plus en plus violent, de plus en plus divisé, où malgré tout, c'est la démographie qui fait le destin, et les musulmans, ils font plus d'enfants que les autres, ils sont endogames, et voilà. Et la part de musulmans ne cesse d'augmenter dans la population française, et le jour où ils seront dominants, majoritaires, et où malheureusement des islamistes, certes minoritaires parmi eux, mais... deviendront leur chef politique et créeront, institutionnaliseront le flicage communautaire
islamique qui sera imposé à tout le monde, la France deviendra peut-être un Liban bis, j'en sais rien, et bien à ce moment-là, voilà, on peut imaginer une France du futur islamique, en dépit du fait qu'il y ait de la technologie très poussée qui se développe. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai deux schémas de pensée, je me dis à la fois, c'est peut-être qu'aujourd'hui, tous les gens qui essaient, les islamistes d'une manière générale, qui créent des chaînes YouTube, qui essaient de se justifier sans cesse sur l'islam, peut-être que c'est le cri d'agonie du début de la fin de l'islam, et peut-être aussi que malheureusement, la France va s'islamiser de plus en plus et qu'on deviendra le francistan, je ne sais pas. Il y a une auteure née en Égypte qui appelle ça Eurabia. Oui, une auteure, oui. Eh ben, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas sincèrement, mais voilà. Moi, j'œuvre en tout cas à la mesure de mes moyens pour essayer de convaincre... Que la France reste la France. Qu'on ne soit pas nourri de pilules pour commencer, parce que ça, qu'on ait le droit de picoler un peu aussi, parce que ça aussi, c'est important. Oui, bah, en tout cas, voilà. J'ai un ami musulman, vous savez que j'aime bien. Mm-hmm. Et il me dit, alors, le cochon, c'est complètement interdit, mais le bacon, c'est pas du cochon. Bah, c'est comment dire, par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger du sanglier ou pas? Vous voyez, alors dans le Coran, il y a écrit qu'il ne faut pas manger de porc. Est-ce que le sanglier, c'est du porc? En plus, si on croit en la théorie de l'évolution des espèces, est-ce que dans 1 million d'années, le porc, ce sera encore du porc? Du coup, c'est à partir de quelle année qu'il va falloir cesser de commencer à manger le porc qui se sera. Et si on fait un croisement, qui sera devenu autre chose? Voilà, mais il y a tellement de réflexions. Mais merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter le livre. Parce qu'il est, très documenté et ça vous donne des arguments dans vos discussions, ce qui est important, mais aussi dans votre compréhension individuelle, ce qui l'est encore plus. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je vous en prie.